Maintenant, avec le tour marron, Manu, l'étoile montante de cette formation, Maria Olaroux. S'il m'appelle, je leur réponds. Hein. Maria Olaroux. Maria Olaroux, voilà une gymnaste très intéressante. On parlait de découverte de jeunes talents. Elle a remporté de nombreuses compétitions internationales juniors. Et à 15 ans, c'est la future grande de l'équipe roumaine. Et vous parliez de taille, justement, vous faites bien insister parce que cette jeune fille qui vient de Plovdiv en Bulgarie a été détectée dans un centre national à l'âge de 11 ans. Et figurez-vous que contrairement à d'autres gymnastes qui culminent à 1m55, eh bien celle-ci mesure déjà 1m63 et elle n'a pas fini de grandir. Grande envergure. Hein. Un double voyer demi percuté, salto avant. Alors tout en continuant de grandir, elle récolte ses premiers lauriers puisqu'elle a pris la tête du concours général hier. Devant ses collègues Amanar et Gojean. Petite pause respiratoire. Avant une ligne acrobatique importante, rond de flip et triple vrille. Du talent, c'est sûr. Alors, bien évidemment, on pourra reprocher à beaucoup de gymnastes de ne pas sourire, de ne pas participer avec le public, ce qui fait la richesse de certaines gymnastes américaines qui ont compris que la gymnastique était aussi un show, même s'il fallait être intransigeante sur l'entraînement et sur la concentration, eh bien, elles vivent leur évolution, d'ailleurs comme les danseurs, ils participent et avec le public. Et les gymnastes roumaines, eh bien, avec Amanar, Gojean, que nous verrons tout à l'heure, et Presekan que nous voyons maintenant, eh bien, révèle un visage un peu trop, j'allais dire, triste. Un peu trop figé, peut-être, effectivement. Il est difficile d'être à la fois expressif et concentré lorsque l'on atteint un niveau technique aussi relevé.